On arrive de mon papa. Comment était la journée aujourd'hui? Tiens. Bien. J'espère que vous avez bien reçu vos leçons. Oui, papa. Oui. Vraiment? T'en es sûr? Oui, papa. T'en es sûr? Oui. Ok. Amanda? Où est votre mère? Elle est dans sa chambre. Dans la chambre? Oui. Bien. Shima, Amanda? Shima... Diomi, devinez quoi, mes chéris? Quoi? Mamie vient à la maison. Papa? Oui. Laquelle des mamies? Est-ce que c'est ta mère ou alors la mère de maman? Diomimi, ma mère vient à la maison. Ok.
Ben, pourquoi ne dis-tu pas à mamie de venir pendant les congés? Premièrement, on ne parle pas la bouche pleine. Deuxièmement, ça fait déjà 1 an et 6 mois que votre grand-mère n'est pas venue nous voir. Simplement parce que chaque fois qu'elle veut nous rendre visite, vous êtes chez l'autre mamie. Donc j'aimerais que vous l'attendiez. Hein? C'est ça le truc. Qui veut la voir de toute façon, est-ce toi, Manda? Que Dieu mon garde. Assez de ces conneries, ok? Si vous ne mangez pas, allez simplement dans votre chambre, s'il vous plaît. Je ne veux plus entendre un mot. Est-ce que c'est clair? C'est pas possible. Fais en sorte qu'elle change d'avis ce soir. Nous ne voulons pas qu'elle vienne en cette période, mais durant les vacances, afin qu'elle ne nous trouve pas à la maison. Mon Dieu, cette femme est bien trop stricte à notre goût. Amanda, fais ta part de prière. Cher Dieu, je ne peux pas rester dans cette maison avec mamie. Parce que quand elle est là, notre maison devient un enfer. Cher Dieu, nous ne demandons pas grand-chose. S'il te plaît, fais-le pour nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Certainement que sa bonté et sa miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et que nous demeurons dans la maison de l'Éternel pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Oui, le PDG m'a dit que le séminaire aura lieu pendant 3 jours à Abuja. Ok, ok, je vous retrouve au bureau, ok? D'accord, merci. Maman. C'est bon, les filles, allons-y. Maman, tu voyages? Oui, je vais pour 3 jours et je serai de retour, d'accord? Maman, est-ce que mamie vient toujours? Oui. En tout cas... Votre papa ira la chercher pendant que je vous dépose à l'école. Hmm? Et où sont vos gamelles? C'est Tata Esther qui les a. Esther? Esther! Oui, madame. S'il te plaît, dépêche-toi avec le goûter. Allons-y. Ok. Pourquoi tu m'as appelé, non? T'énerve pas. Depuis que ta patronne est sortie, tu ne fais que bosser. Tu ne fais que ça. Tu veux te suicider? Je ne fais que bosser. D'accord, c'est compris. Pourquoi tu m'as appelé? C'est que... Je voulais te demander si tu sais si on a arrêté la grève. Ah, la grève? Oui, bien sûr, la grève. C'est à moi de te demander cela, non? Hein? C'est toi qui faisais des va-et-vient, comme si tu avais perdu quelqu'un. Hein? Mais attends, en quoi est-ce que tout cela me concerne, non? Hein?
Hé, hey, attends, viens, viens. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je voulais juste te demander s'ils ont arrêté... S'ils ont arrêté ce virus. Ce virus. S'ils l'ont... Est-ce qu'ils l'ont arrêté? S'ils l'ont... Tu vois? Tu as vu comme tu es? Garde-vous, chef. Oui, chef. Benji. Monsieur. Chef. Hey. Oui, chef. Benji. Oui, monsieur. Pourquoi ne sors-tu pas tous les sacs ensemble? Monsieur, je vais les sortir un à un. Un à un. Un à un. Madame! 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 Maman est arrivée! Madame! Maman est arrivée! Mon fils. Oui, maman. Qu'est-il arrivé à Virus? Oh, maman, je l'ai renvoyé. Virus n'arrêtait pas de me donner de fausses excuses pour m'estorquer de l'argent, maman. Ma famille est montée, ma famille est descendue, demain ceci, demain cela. Et même quand je lui donnais de l'argent, il partait boire avec et rentrait dormir à son poste. Maman, je n'en pouvais plus. Mon garçon... Est-ce pour ça que tu l'as renvoyé? Regarde où nous en sommes. Tu as renvoyé Virus pour embaucher ce clone. Regarde ce qu'il fait. Hein? Benji. C'est pas possible. Monsieur! Chef! Non, mais t'as pas fermé le portail. Hey, monsieur! Hey! Celui-ci est pire que Virus. Hein? On a attaqué Bogom. Oh, Jou, Biojo. Hé, 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 hé. Capilo. Nénénéné. Moko maïcha, nénéné. Ochina, Jou. Maman. Toh, chef. Abarobi. Tom, tu es au coro. Jé. Chef. Akoro aussi, Jou, Souba. Akoba, Tochiso. Hé, hé. Hé, moi, mouine. Hé, 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 hé. Oh, moi, mon. Ah, on y en moi. Hey, Andou, body. Hey, maman, hey. Bonne arrivée. Comment est-ce que tu vas? Maman, tu vas bien? Je vais bien, tu es la bienvenue. Comment a été le voyage? Comme tu peux le voir, mon voyage s'est bien passé. N'est-ce pas, mon fils? Oui, maman. C'est toi qui as rendu mon voyage agréable. C'est génial. Bonne arrivée, chérie. Où sont mes petites filles? Parce que je leur ai apporté quelque chose de très spécial. J'ai cultivé mes ignames et mes légumes. Je veux leur préparer une sauce au rat. Où sont-elles? Maman, elles étudient dans leur chambre. Oui. C'est pas grave, je les verrai plus tard. Okay. Pendant ce temps, je vais prendre mon bain. Et je reviens manger. Ok. Oh. Bébé, je vais installer maman, d'accord? Ok. D'accord. Ok, bon arrivée, maman. Allons-y. Bon arrivée, maman. Allons-y. Oh. Ora.
et les ignames pour ses enfants. Ah! Qu'est-ce que... Mais où étiez-vous? Mon Dieu! Oh, ces filles! Oh! Mes enfants, je vous ai cherché partout et je ne vous ai pas vu. Mamie, nous étions... En fait, nous étions derrière la maison en train de laver nos tenues. Eh, vraiment? Vous laviez vos tenues, mais ça c'est bien ça. C'est très bien. Je suis vraiment étonnée. Ça veut dire, mon séjour ici dans cette maison s'annonce plutôt très bien. Mamie, s'il te plaît, peux-tu arrêter de parler à table? Qu'est-ce que tu dis? Chouma, est-ce à moi que tu t'adresses? Pour qu'est-ce qu'elle se prend? Que j'arrête de parler. C'est ce que tes parents t'ont appris. Avance ton plat, madame. Mamie, je ne mange pas ça. Moi aussi, je veux manger des pâtes. Ah, que tu ne manges pas? En fait, en fait, j'ai laissé votre mère manger ce qu'elle veut avec votre père. Parce que ici, c'est leur maison. Pour ce qui est de nous trois, nous allons manger ce mets, hein? Et sans rien laisser. Et si vous ne voulez pas manger ça, vous allez gentiment boire de l'eau et vous allez vous coucher. Je vais tout manger. Croyez-moi. Vous voyez vos enfants? Oui, maman. Vous les voyez? Oui, maman. Oui, maman. Je vais leur donner une leçon. On va poursuivre où on a arrêté. Oui. Mon fils, tu as quelque chose à dire? Hein? Voyons. Cette sauce est très bonne. Oui, maman, elle est très bonne. Non, mes chéris. Vous ne pouvez pas échapper. Voici le repas qu'on vous a servi hier et vous avez abandonné. Voilà, mangez. Mangez. C'est pas bien de gaspiller la nourriture. Ce n'est pas bien. Quand j'avais votre âge à mon époque, je mangeais tous les repas. Et les repas très lourds. Et après ça, j'étais très forte et prête à affronter la journée. Après avoir mangé ça, vous n'aurez plus faim jusqu'à votre retour. Pas de gaspillage. Oh, on a maman. Pas de gaspillage. Mangez.
revenez ici. Vous allez revenir ici. Regarde ces enfants. Elles me tournent le dos. Ebekanuo. Ok. Ngazia, mon matié. Je ne sais même pas ce que c'est que ça. De la bouillie. On dirait de la bouillie. Hey. Est-ce que ces choses-ci, est-ce que ça peut donner la force aux enfants? Hey. Oh, Nyuzu! Pourquoi est-ce qu'ils gâtent mes petites filles comme ça? Tu es Muguacha. Première punition, je vais finir cette bouillie. Je vais la finir. Ah. Et elles vont rester affamées. Hey. Hey, ces enfants. Dis-moi, Amanda. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Papa, tu ferais mieux d'aller prévenir mamie. Elle mange notre petit-déj et elle veut qu'on mange le reste de nourriture d'hier. Diomé, vous devriez déjà la connaître. Hein? Vous devez juste marcher à son rythme avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Papa, tu veux nous voir mourir? Papa, maman et toi devez faire quelque chose à propos. Avant que ça ne s'empire. Diomi, viens chérie. Mes anges. Vous n'allez pas mourir. Écoutez, il n'y a rien que votre maman et moi puissions faire. J'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Ce dont votre mamie a besoin, c'est de se reposer. Et c'est juste pour un moment. Ce que vous devez faire, c'est d'exécuter ses ordres. C'est aussi simple que ça. Soyez obéissante et tout ira bien. Ok? Les filles, c'est d'accord? Diomi. Pouvez-vous le faire pour papa? Tioma, peux-tu le faire pour papa? Super. Esther? Esther? Oui, Madame Olga. Ok, écoute. Si ce n'était pas à cause des gosses, j'en ai marre de cette histoire de Madame Olga. Choisis juste un, d'accord? Quand je t'appelle, dis simplement oui et c'est tout. D'accord, Madame Olga. Et merde. Esther. Oui? Va faire des pâtes aux filles, d'accord? Et dépêche-toi, s'il te plaît. D'accord, Madame Olga. Je vais le faire. Je suis désolé, d'accord? Je vais vous faire une surprise, ok? Diomi, ma chérie, allez, fais un sourire à papa, s'il te plaît. Dis-moi, Amanda, allez, fais un sourire à papa, s'il te plaît. Maintenant, les filles, dites-moi, à quoi est-ce que j'ai l'air? Tu es très beau. Vraiment? Oui. T'en es sûre? Oui, papa. Bien, vous êtes toutes aussi belles. D'accord.
Olga, maman. Olga, maman. S'il vous plaît, lève-toi et allez dans la chambre. Où elles sont? Où sont ces enfants? Hein? Olga, maman. Elles sont parties à l'école depuis le matin. Si tu regardes l'heure maintenant, il est 12h passé. Est-ce que tu sais que ces enfants m'ont tourné le dos? Ils m'ont tourné le dos. Hein? Ok. Lorsqu'elles vont rentrer, je vais leur montrer. Je vais leur apprendre que les enfants ne tournent pas le dos à leurs parents. Amontes-moi. Encore m'ont refusé ou rejeté leur repas. Qu'elles rentrent des classes, je les attends ici. N'importe quoi. Oh, je m'en vais. Sors, sors. Dégage. Oh, je m'en vais. Sors. Dégage, dégage. Tu me portes mes assiettes devant moi. Fille stupide, tu te tiens devant moi pour porter mon assiette. Regarde comment elle tombe comme le sac de ma femme. Regarde-moi ça. Allez, va-t'en d'ici. C'est qui? C'est qui? Qui est-ce? Qui est-ce? C'est qui à la porte? Tu as tout demandé, c'est qui? Hein? Qui est là? Qui est là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Hein? Je ne t'ai même pas frappé fort, mais tu crées. Bendy, je ne t'ai rien fait. Si je te frappe pour de vrai. Allez, va me fermer mon portail, espèce d'idiot. À mon bien. Elles sont rentrées. J'ai dit elles sont rentrées. Oui. Non. À mon Ika. Regarde-le. Je me demande à quoi il sert dans cette maison. La seule chose que je veux vous entendre dire, c'est « Grand-mère, on promet de ne plus jamais te tourner le dos. » Mamie, on promet de ne plus jamais te tourner le dos. On promet de ne plus jamais refuser ta nourriture. Mamie, on promet de ne plus jamais refuser ton repas. Et si vous refusez de manger ma nourriture, que vais-je faire? Tu vas nous fouetter. Je vais vous fouetter, ok? Oui. Oui, mamie. Ok. Très bien, maintenant, je veux que vous répétiez tout ce que vous venez de promettre à mamie tout de suite. Mamie, on promet de ne plus jamais te tourner le dos. Et on promet de ne plus jamais refuser ton repas. Vous avez aussi promis que si vous le faites, qu'est-ce que je vous ferai? On vous fouette. Trois. C'est très bien. Vous pouvez lâcher vos oreilles. Nous sommes maintenant des amis. Vous mangez ma nourriture et vous allez rester quand je vous parle. D'accord? Levez-vous. Vous pouvez repartir dans vos chambres. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, mamie. Super, oh! Fiston, tu me disais quelque chose. Oui. Maman, oui. Ce que j'essaye de te dire, c'est que nous sommes dans les temps modernes et les choses ont changé.
Nous sommes au 21e siècle et les choses ont énormément évolué, maman. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Papa? Oui. Oui, aujourd'hui... S'il te plaît, aide-moi à faire mes mathématiques. Et moi aussi. Oh, allez, faites-moi voir, les filles. Merci, papa. Diomi. Paulinus, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela signifie? C'est ce qu'on t'a appris? Hein? Tu veux faire leur devoir de mathématiques à leur place? Tu veux leur montrer la formule ou alors les enseigner la formule? J'essaie de... Bien, bien, bien. Qu'est-ce que tu racontes? Abiana, Abiana. Biko, prends ça. Hé, vous allez où? Revenez ici. Asseyez-vous. Asseyez-vous là. Et toi, assieds-toi là. Regardez-vous. Estimez-vous chanceuse de vous asseoir sur un sol bien cimenté. À mon époque, je m'asseyais sur un sol nu. Écoutez bien, un sol boueux. Chanceuse de vous asseoir sur un sol carrelé. Un très beau sol d'ailleurs. Que je vous entende encore dire un mot. Allez, ouvrez-moi les cahiers. Regardez-les. Ferme-les. Ouvrez la page où se trouve la formule. Lisez la formule. Comprenez la formule. Maintenant, utilisez la formule pour résoudre vos problèmes. Allez, commencez. Où est la formule? Étudiez-la. Et utilisez la formule pour résoudre vos problèmes. N'importe quoi. Faites ça. Je vous observe. Oui, très bien. Veuillez appeler le superviseur pour lui tenir informé des changements. Je vous rejoins tout à l'heure. Grandement merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Esther, où sont mes enfants? Elles sont encore dans la chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, elles ne sont pas venues dans ma chambre comme d'habitude. Monsieur, elles dorment encore dans la chambre. Mais je suis allée dans la chambre la préparer pour l'école, comme je fais d'habitude. Mais avant que je me rende compte, maman a fait sortir une grosse chicotte pour me fouetter. C'est comme ça que j'ai fui.
Hé, où comptez-vous aller comme ça? Où comptez-vous aller comme ça? Hé, Esther. Esther. Est-ce que tu vas Bogolo. Mon fils et toi, croyez que vous pouvez me tromper? La réponse est non. Un bagnolo. Vous ne pouvez pas me tromper. Hmm? Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je vous amènerai à l'école, moi-même. Comme ça, je dirai à vos enseignants que vous vous êtes réveillés à 7 heures. 7 heures du matin. Et c'est la raison de votre retard à l'école. Allez, prends ça. Non, mamie. Prends ça. Oh, mamie. Prends ton goûter. Donne-moi ça. Mamie. Allez, on y va. On y va. Oh. Laisse ça. Oh, gamme, maman. S'il vous plaît, arrêtez. J'ai déjà appelé au chauffeur de taxi. Rappelle le chauffeur et dis-lui que on va utiliser nos pieds bien chauds. J'ai appris que l'école est juste là. Mamie! Nous allons marcher à pied. Fermez-la et ouvrez cette porte. Regarde-les. Vous vous levez à 7 heures du matin et vous partez à l'école en retard. Allez là. Bendy, Bendy, mais c'est toi que j'appelle, non? Hein? Toi aussi, sois romantique pour une fois. Ah, monsieur et madame, m'appelle Belle. Mais toi, Esther, qui est ma personne? Ma personne! Tu m'appelles Bendy. Désolée. Hein? Bendy, je veux dire Ben. Je voulais juste te dire que j'ai vraiment pitié de ces enfants. J'ai pitié d'eux. Tu as pitié d'eux? Je t'assure. Toi qui les as accouchés. Tu as pitié d'eux? Tu ne sais pas que c'est comme ça que chaque parent devrait éduquer son enfant? Tu ne sais pas? Oh, tu veux me faire croire que cette situation ne te réjouit pas? Quelle situation? Je suis venue ici pour, je veux dire, je suis venue ici pour travailler, pour qu'on me paye, hein? Mais c'est parfait. Tant que tu reçois ton salaire à la fin du mois, tout va bien. Je suis fatiguée. Cette situation me fatigue. Franchement, je suis fatiguée. Vous dites que vous êtes fatiguée? Oui. Vous venez de l'autre. Oui, on est fatiguée. Allez, ferme-la. J'ai dit qu'on se tait. Ngoa, tant pis pour vous. Allez, gauche, droite, gauche, droite. Quand j'avais votre âge, j'utilisais mes deux pieds pour grimper la colline. Allez, on y va. Allez, on y va. Gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche, droite, ne va pas trop. Gauche, droite, 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 gauche, droite. Fred. Oui? Ma mère, elle est trop problématique à mon goût, frère. C'est pourquoi tu as arrêté la voiture? Tu ne peux pas comprendre, mec. Écoute, Fred, chaque fois que ma mère nous rend visite, la maison est totalement en feu. Oui, elle essaye de comparer la vie du village à la vie moderne, mec. Et tu vois, quand j'essaye de lui dire que les choses ne sont plus les mêmes, elle ne cesse de me dire que je ne suis pas celui qui l'a mise au monde, qu'elle est venue au monde avant moi, que c'est elle qui m'a appris ceci, qui m'a appris cela, que je la laisse occuper de ses petits-enfants. Et tu sais, les gosses ne le voient pas de cette façon, mec. Elles ne s'y font pas, mec. Paul. Paul, pendant combien de temps cela va-t-il continuer ainsi? Je veux dire, ta mère. Oui, peut-être ses stratégies ne sont pas conformes aux idéologies modernes, mais elle a encore les meilleures intentions et un cœur pour ses petites filles. Oui. Je veux dire, ah, pourquoi te plains-tu, mec? Ok, quand est-ce que ta femme va rentrer? Bah, mon épouse, elle doit terminer son travail demain. Donc, je pense que d'ici après-demain, elle sera avec nous. Alors c'est d'accord. Donne-lui le temps de rentrer. Elle va régler ça. Crois-moi, les femmes se comprennent entre elles. Fred, pas ma femme.
Ma femme te dira qu'elle n'a pas la force de ma mère. Que je la laisse faire ce qu'elle veut, mec. Je ne sais pas, mec, si c'est ma tête qu'elle veut. Ok, quoi qu'il en soit. Écoute, mec. Tu es l'homme de la maison. Ok? Prends les choses en main. Tes enfants ne doivent pas sincèrement te manipuler. Qu'elles se plaignent ou alors peu importe. Ce sont des enfants et elles doivent danser au rythme de leurs parents et de leurs grands-parents. Retournons au bureau, mec. C'est pourquoi t'as garé au bord de la route comme... Amanda, je dois t'avouer un truc. Tata Esther fait vraiment des efforts. C'est maintenant que tu le sais. Ce qui m'énerve, et c'est que mamie ne veut pas qu'elle nous aide. Maintenant, tante Esther est en congé. Ne le vois-tu pas? Elle prend du poids chaque jour. Tout ce qu'elle fait, c'est manger notre nourriture. Ce week-end sera horrible, Amanda. C'est le résultat de la visite de mamie. Elle est vraiment trop sévère à mon goût. Elle n'était pas comme ça la dernière fois. Ok, bonne nuit. Tchoumi, Tio Amanda. Tio Amanda. Mais qu'avons-nous fait cette fois-ci, hein? Aujourd'hui, c'est samedi. Mon Dieu! Oh! Retourne bien, t'as pas bien nettoyé. Allez, retourne sur cette table, nettoie-la bien. Et toi, Amanda, reviens par là. Reviens par là. Ce côté n'a pas été nettoyé. Reviens, reviens par là. Allez, dépêche-toi. Je t'observe. Qu'es-tu en train de faire? Je t'observe. Nettoie bien. Qu'es-tu en train de faire? Je t'ai dit que lorsque tu nettoies le sol, après avoir nettoyé la première fois, tu presses ta serpillière et tu sèches le sol pour ne pas faire tomber quelqu'un. Alors, est-ce que c'est clair? Oui. Non, oui quoi? Oui, mamie. Très bien. C'est pas à toi que je m'adresse. Continue ton travail. Oui. Regarde ce qu'il y a sur cette table. Regarde mon doigt. Va presser ton torchon. Ton chiffon, tu le presses bien pour y enlever de l'eau. Allez, vas-y, Ngoua. Incha, presse-moi ce truc et viens me noter la table. Adjassa, tu utilises le même torchon. Allez, plus vite, plus vite.
C'est ça. Tu utilises le même torchon sur la chaise. Finis là-bas et puis tu viens nettoyer la chaise. Allez, c'est bon. Va nettoyer. Va continuer de nettoyer là-bas. Finis de bien nettoyer. Finis de nettoyer ici. Après, tu contournes comme ça. Et tu le fais bien. Voilà. Allez-y, continuez. Je vous observe. Je reviens. Donc, continuez et nettoyez bien. Je vous ai allé. Mets du savon sur ton éponge. Non, non. Laisse ça, il n'a pas encore essayé. Voilà. Aujourd'hui, je suis vraiment très, très impressionnée. Regarde, mamie, c'est propre. Ok, ne vous en faites pas, je vais finir le reste. Merci, mes chéris. Les filles, je suis très fière de vous. Je suis très impressionnée. Vous avez franchi cette étape. Maintenant, laissez-moi vous apprendre à préparer la sauce. Ou autre chose. Tout le temps, tu fais ça. Je ne sais pas si tu veux te faire pousser les bras par le bas. À chaque minute, tu fais ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous devez graduer. Vous n'allez pas caler sur un seul truc. Vous devez apprendre à faire autre chose. Merci beaucoup, les filles. Laisse-moi t'embrasser. Ma jolie petite fille adorée. Tu as fait du bon boulot. Viens m'embrasser à ton tour. Allez, vas-y, ferme le robinet. Ferme le robinet, ne garde pas l'eau. Écoute, tu es juste en train de laver une seule cuillère. Pas besoin d'autant d'eau. Allez, viens me faire un câlin, ma petite fille adorée. Mes jolies petites filles adorées. Allô, mon beau-fils? Mamie, ce n'est pas ton beau-fils. C'est Amanda et Domi. Comment est-ce que vous allez, mes chéris? On va bien. Mamie, il y a le feu sur la montagne. Qu'est-ce qu'il y a, ma princesse? Mamie est à la maison. Et depuis ce jour, la maison s'est transformée en enfer. Elle veut nous tuer avec les tâches ménagères. Et pourtant, tante Esther est là. Salut, mamie. C'est moi, Domi. Allô, Domi, mon bébé, comment est-ce que tu vas? Je ne vais pas bien. Vas-y, mon bébé, raconte-moi. S'il te plaît, mamie, est-ce que tu peux venir nous sauver avant que l'on ne périsse entre ses mains? Papa et maman ne font rien à ce sujet. D'accord, mon amour, je viendrai la semaine prochaine. Mais grand-mère, la semaine prochaine est trop loin. À moins que tu ne veuilles nous voir à l'hôpital. D'accord, mon amour, mais j'insiste, je ne peux être là que la semaine prochaine, d'accord? Ok. Ne dis à personne que nous t'avons appelé. D'accord, mes puces, c'est compris. Vous passez une bonne nuit, ok? Bonne nuit, grand-mère. Bisous. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle insiste à venir la semaine prochaine. Faut pas oublier qu'on ne met pas les têtes. Mamie, pourquoi on
m'enlèves cette partie. Oui, très bonne question. Vous enlevez ça parce que il donne un goût amer à la sauce. Si on n'enlève pas ses têtes, même si la sauce est bonne, elle sera amère. Biko, va me prendre au Bilizieba, l'épice locale. Yeah! En plus de saturer, je te ferai hacher ces oignons. C'est quoi le rapport entre aura et les oignons? Aura et oignons. S'il te plaît, ouvre-moi le tiroir là et apporte-moi au Bilizieba. Hey! Oh, oh, oh! Je ne me vois pas partir de cette maison d'aussitôt. Sous l'eau. Ouvre le tiroir. Cherche ça là-bas. Apporte ça. C'est ça l'épice locale. Mokulokuloko. C'est ce qu'on appelle au Bilizieba. Apporte ça. J'apporte tout. Apporte d'abord un. On va utiliser un peu. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Vas-y, ouvre-le. En attendant la viande. Voilà. Hé, regarde comment tu transpires. Parce que tu fais des légumes. Après, vous allez refuser de manger. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui arrive à ton nez? Lèche tes mains si tes doigts le touchent. Lèche-les. Regarde comment il foisse le visage. Allez, vas-y. C'est moi qui ai ramené ce Oluomko au glissé rouge. Arrête de faire cette tête, c'est très bon. Prends un et tu goûtes. Tu ne veux pas? Donne-moi ça. Que je vous montre comment ça... Comment ça... C'est très bon. Je vais te goûter. Mamie, tu vas vraiment manger ça? Ah, regardez-moi, non? Regardez-moi faire. Voilà, je mange. Berk! Bien de quoi? Qu'en manquer? Bien. C'est trop bon. C'est trop bon. Vous allez voir, je ne peux pas bien l'ouvrir à cause des mouches. Où est-ce que tu as mis la boîte? On appelle ça l'Ogilizi. Ogilizi. Mendy, j'ai commencé à aimer la présence de maman ici. Elle rend ses enfants très très disciplinés. Je veux dire, au moment où je te parle, elles sont à la cuisine en train de préparer une nourriture qu'on appelle... Mais... Oh, le français va me tuer. Mais délicat. Tu y es. Allez à l'école. C'est mais délicat que tu as du mal à prononcer. J'ai été à l'école.
Mais attends, tu dis qu'elles sont à la cuisine. Ces deux filles, elles préparent à la cuisine. Tu sais, la dernière fois que leur grand-mère n'est pas venue, elles ont passé leur temps à m'envoyer encore et encore. J'ai souffert avec ces enfants, je t'assure. Elles voulaient me tuer. Aucun respect. Si ce n'était pas que... ma copine du village, Nketi, n'avait pas avorté notre bébé comme je le lui avais demandé. Mes enfants auraient pu avoir le même âge que ses filles. Hey, donc, tu as une copine au village. Maintenant, tu veux venir ici détruire ma destinée, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je sais ce que je vais faire. Regarde tout ce paquet. Regarde bien, il n'est plus pour toi. Hein? C'est pour le fils de Dangote. C'est lui qui va gérer ce derrière. C'est lui qui va s'occuper de ça. Tu vas venir me supplier. Viens, 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 viens. Viens, viens. Que c'est pour Dangote? Seulement Dangote, même pour un cordonnier. Regarde-moi cette idiote. Elle dit, Dangote, elle est folle. Tu penses que je peux vouloir de ce derrière? T'es folle. Moi, je voulais t'arranger. M'occuper bien de toi et t'amener ailleurs, là-bas. T'entretenir bien et t'amener voir mes parents. Dangote. Mamie, on voudrait aller dans notre chambre. On a sommeil. Pourquoi? Pas vrai, Amanda? C'est à cause du programme, n'est-ce pas? Vous voulez que je mette des dessins animés pour que le sommeil finisse dans vos yeux? Non. Oh, nounou, basse, nounou. Vous allez regarder cette émission. C'est tellement éducatif. Eh oh! Hey! Maman! Hey! Maman! Calme! Je vous ai manqué. Moi! Je sais, vous m'avez manqué aussi. Hey! Mamie! Mais... bon après-midi. Bon après-midi, ma fille. Comment tu vas? Ça va, je vais très bien. Bien. Tout le monde va bien, oh. Ok. Mais chérie, je vous ai apporté quelque chose. Super! Je sais que vous allez adorer. Toutes les deux. Voilà! Merci, maman. Oh, regarde ça. C'est du jus. Qu'est-ce que c'est que ça? Déborah! Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que tu peux donner les sucreries à mes petites filles? Hein? Ah. Oh, comment que Kumbu? Si tu veux leur acheter certaines choses, tu dois prendre ce qui contient moins de sucre. Bougoulou. Je n'aime pas ça. Je n'aime vraiment pas ça, oh. Ça me déplaît. Ok, maman. Prochainement, je les achèterai quelque chose de moins sucré. C'est mieux. Ah, c'est mieux. Les filles, ne vous inquiétez pas, ok? Je vous prendrai quelque chose de moins sucré comme mamie a dit, d'accord? Exactement. Mamie, est-ce que ça te va? Voilà, ça me va droit au cœur. Mais je vais le contrôler pour me rassurer qu'il ne contienne pas beaucoup de sucre. Ok, maman. Ok. Allez, vous pouvez maintenant aller au lit. Vous êtes libre. Ok. Allez, au bagala, au bas. Maman, ne t'en fais pas, je vais le faire. Oh, oh, oh! Viens chercher le sac de ta mère. Reviens ici. Prends le sac de ta mère. Merci, maman. Ok, bienvenue. Comment était le voyage? Très bien. Bonne arrivée. Merci. Maman, j'arrive. Ok. Repose-toi et prends ton bain, hein? Ok. Avant de manger. Ok, maman. Comment ils donnent autant de sucre à ces enfants? Qu'est-ce que c'est? Les enfants ne prennent pas de sucreries. Ça, c'est quoi ça? C'est pas conseillé pour les enfants. Comment on ouvre même ce machin? J'espère que je vais pouvoir ouvrir ça. Maman, je me suis vraiment régalée. C'était bien fait. Merci beaucoup, ma fille. Je l'ai cuisiné spécialement pour toi. Merci, maman. Je sais qu'Esther est un cordon bleu, donc ça ne me surprend pas.
Ah, Esther? Ah. Ce repas a été préparé par mes petites filles et moi. Mes petites filles. Les filles? Maman? C'est vrai? Oui. Oui, maman. Maman. Oui. Elles sont maintenant un produit fait par moi. Je l'ai fait. Hmm? Vraiment? Si c'est le cas, cela mérite d'être célébré. Exactement. Pourquoi pas? Parce que mes petites princesses sont maintenant des grandes filles. Oui. Apporte une grande bouteille de vin. Je veux une bouteille toute seule pour moi. Je dois être heureux. Mamie, nous aussi. Hein? Ah, oui. Aussi. T'es pas sérieux. Franchement. Vraiment? Oui. Donc, juste 3 jours avec ta mère dans cette maison, mes enfants se sont transformés en des bourreaux du travail. Oh mon Dieu, maman fait vraiment du bon boulot, je te jure. Elle doit vous remercier le ciel qu'elle ne soit plus assez forte comme elle était à mon époque. Oh! Tu sais quoi, ma chérie? Maman, elle était horrible. Elle pouvait te... Regarde, elle se levait dans la nuit. Elle venait dans ma chambre et elle me versait de l'eau, carrément. Hein? Je sais que tu es têtue, mais maman peut être parfois tellement sérieuse que j'ai des doutes sur toi. Ah. Je t'assure, je l'aime beaucoup. Honnêtement, j'étais têtue, mais elle savait s'y prendre. Les choses n'ont pas été faciles, ma chérie. Dis, tu sais quoi? Maman les a menés à l'école à pied. Quoi? Quand il y a l'argent, il y a les amis. Quand il y a l'argent, il y a les amis. Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'amis. Quand il y a l'argent, il y a les amis. Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'amis. Ah! Donc tu ne m'entends pas. Hein? Quand il n'y a pas l'argent, tu as l'argent. Hein? Donc tu ne m'as pas vu venir avec toi. Hein? Oh, grand maman. Mais... Combien de fois te l'ai-je dit, Esther, de ne pas toucher aux vêtements de mes petites filles? Oh, grand maman. Elles ne peuvent pas laver leurs vêtements elles-mêmes. Je suis la seule à pouvoir le faire. Parce que moi, je suis une machine à laver. Je lave plus qu'une machine à laver. J'ai lavé partout. J'ai lavé en Afrique. J'ai lavé en Chine. J'ai lavé à Dubaï. Tais-toi! Ferme-moi ta sale bouche. Tu as lavé en Amérique. Tu as lavé en Europe. Tu as lavé à Dubaï. Et tu as fait dans la maison de mon fils. Avec ces mains-là. Fils stupide. Tu as fini de laver les habits de mon fils? Oui, hein? Oga mama. Maintenant, va prendre les miens. Tu laves. Oui, Oga mama. Va, tu prends tout. Va à l'intérieur. Prends tous mes vêtements et tu les laves tous. Et je ne veux pas te voir toucher à cette machine à laver. Tu as lavé en Amérique. Que je tente de te voir toucher la machine. Dégage d'ici, idiot. Qui te va miser, idiot? Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'amis. Tu as Amanda et tu m'as dit au minier. Ngwa, venez vous asseoir. Une lave et l'autre rince. Ngwa, asseyez-vous, allez, dépêchez-vous. Allez, ici, asseyez-vous. Asseyez-vous ici. Lavez-moi ça avec les mains. Faites-moi voir vos visages. Vous pleurez. Super. Recule ton seau ici, recule ton seau ici. Lave ça, il va sécher. Et lavez-les très bien. Tu n'as pas encore commencé. Mets du savon avant de laver. Regarde l'endroit qui est très sale. Frotte-le très bien avant le reste. Et je vais aller me reposer au salon avant de revenir. Si je reviens et je trouve que vous n'avez pas très bien lavé les vêtements, vous allez les relaver. Les relaver encore. Jusqu'à ce qu'ils deviendront propres. Si tu jettes encore ces habits comme ça, hein? Je vais mettre ce bâton sur ton corps. Un machogi, un kununi, moasaka. Ne finissez pas mon savon, hein? Protège juste un peu. Voilà, presse. Mets de l'eau et presse.
Mon Medimaka. Très bien. Ce sont tes habits. Donc, tu sais à quel endroit c'est sale. Donc, lave là-bas. Mazutopi. Et arrêtez de faire cette tête. Allez, continuez de laver. Je reviens. Qu'est-ce qu'elles font debout? Hein? Vous avez cru que je suis partie, Opeya? Spécialement toi. Tu as cru que je suis partie? Lave-moi ces habits. Et que ça se soit... Oya. Allez, très vite, lave-moi ces habits. Je vous donne 20 minutes. Mes anges, vous n'avez pas l'air ravis. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, on est déjà fatiguée de mamie. Il faut qu'elle parte. Vous êtes sérieuse là? Oui, maman. Oui, maman. Elle pense que les tâches ménagères, c'est pour les enfants. Il est grand temps qu'elle parte de cette maison. Oh. Que je parte de chez toi? Paulinus, mon fils, tu dis que je parte de chez toi? Pas de problème. Paulinus, je vais partir de chez toi. Oui, je vais partir. Mais garde en esprit que je ne reviendrai plus jamais ici. Mais non. Non, ne m'appelle pas maman. À partir d'aujourd'hui, je ne suis pas ta mère. Je ne reviendrai plus jamais. Laisse-moi te dire, tu ferais mieux de me donner mon argent de transport. Oh. Donne-moi l'argent de transport pour demain à la première heure, pour que je m'en aille. Mais non, maman. Tu comprends cette histoire de travers. Je te demandais juste quand est-ce que tu voudrais rentrer afin de pouvoir faire mon programme en fonction... Paulinus, que veux-tu programmer? Que veux-tu programmer, Paulinus? Veux-tu programmer comment me nourrir? Ou comment me donner à boire? Ou alors quoi? Ou c'est à cause de ce petit espace que j'occupe chez toi que tu veux faire ton programme? Souviens-toi que ton père m'a laissé une maison. Eh, Wonuno. Et pour Wonuno. Adeba Kwali. Laisse-moi partir, Paulinus. Je t'en supplie. Laisse-moi partir, Paulinus. Et rassure-toi, je ne reviendrai maman, plus jamais. C'est bon, non? Maman. Tiki. Paulinus est tombé du bord. Wamba tchua djoua kwe. Paulinus. Igi nimié. Oh, oh, oh. Paulinus, oh wow. Ma mère adore. Ah ben 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 ben. Oui. Hein? Oh.
qui s'est passé? J'ai entendu les voix. J'ai entendu les voix de maman. Donc, tu veux dire que maman ne partira pas d'aussitôt? Ces enfants ne vont pas nous lâcher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, viens te coucher. Viens dormir. Vous entrez, voyez votre grand-mère et ne dites pas bonjour. Et en plus de cela, vous prenez la télécommande et changez la chaîne que je visionnais. Hey, Ngoni Dunaya. Eh bon, et Tunganuna Swano. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Mais mamie, tu n'étais pas en train de regarder la télé. Et de quoi je me mêle? Ce sont tes affaires? Le fait est que vous êtes entré ici et changé de chaîne en ma présence, sans crainte. C'est pas de votre photo, mais plutôt celle de vos parents, pour ne pas vous avoir éduqué comme il faut. Et pour avoir laissé votre éducation entre les mains de cette stupide fille. Je ne sais pas si c'est Esther qui ne connaît rien du tout pour se charger de votre éducation. Matoumatouene, avant que je ne compte jusqu'à trois, allez vous accroupir là-bas. Pour m'avoir méprisé. Mamie! Un, n'importe quoi. Deboudou, de que l'eau se sort. Mouye, un goua goua, adjuga adjugo. N'importe quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi chercher mon fouet. Reste là. N'importe quoi. Mamie, non! Papi! 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 C'est pas la première fois que tu me vois. Je vais vous traiter. Attendez. Mamie! Papi! Je ne veux pas de bruit, je veux dire. Donc ne me dérangez pas. Mais mamie, on a des examens demain. Vous avez des examens demain? Et oui, que faites-vous mamie. Ici? Mamie! Que faites-vous ici? Raison pour laquelle vous auriez dû rester dans votre chambre. Et étudier pour réussir. Lire vos cahiers. Utilisez les formules dans vos livres pour résoudre les problèmes de mathématiques. Mais vous ne le faites pas. Au contraire, vous avez choisi de venir regarder je ne sais quoi. Je ne sais pas quelle est cette chaîne. Hein? Enlevez cette chaîne importante que je visionnais pour mettre je ne sais quoi. Allez, coupez-vous en l'air, espèce d'idiot. Prochainement, vous allez apprendre à saluer votre grand-mère chaque fois que vous la verrez. Fermez-la, Trudilaka. Vous voulez finir comme moi? Je veux que vous parlez et agissez bien plus que moi. Asseyez-vous par terre. Vous êtes incapable. Lavez vos vêtements. Vous n'en rêvez pas. Allez rentrer dans vos chambres. Dégagez-vous. La vérité dans cette histoire, c'est que c'est exactement comme ça que devrait être une famille. Au départ, tu te plaignais de ça, mais à présent, tu te réjouis de son séjour chez toi. Félicitations. Le truc, c'est que mec, je suis ravi parce que c'est ma mère. Mais les gosses, non. Je fais tous les efforts du monde pour essayer de leur expliquer, mais cela, enfin... Pour elles, elles pensent que leur grand-mère les déteste. Qu'elles ne les aiment pas et c'est pourquoi ça ne colle pas entre elles. Voilà ce qu'elles pensent. Tu sais, j'en ai alors là vraiment marre de rentrer chez moi tous les soirs
et entendre les mêmes histoires du genre « grand-mère a fait ci, grand-mère a fait ça, grand-mère a fait ci, elle a fait ça », j'en ai ras-le-bol, mec. Paul. Écoute, mon pote, c'est de ta mère que nous parlons là. Écoute, t'as grandi entre ses mains, c'est elle qui t'a allaité. Oui. Eh bien, personne dans cette maison ne le sait comme toi. Et c'est pourquoi toi, mon pote, t'as besoin de rappeler tes enfants à l'ordre et leur faire entendre raison. À ce que je sache, elles sont jalouses naturellement. C'est récurrent chez les gosses. Non, jalouse tu dis. En tout cas, je ferai de mon mieux. Mets de l'ordre dans ta maison, mec. Allez, bois, donc, au sujet de... Ben, va nous ouvrir le portail. Comment viens-tu de m'appeler? Tu ne t'appelles pas Ben? Allez, va nous ouvrir le portail. Eh ouais! Où est passé Tonto? Vous l'avez jeté, hein, Bruce? Vous ferez mieux de le remettre, sinon j'irai dire à grand-mère que c'est seulement quand elle est à côté que vous me respectez, mais quand elle n'est pas là, vous ne me respectez pas. Oncle Ben, s'il te plaît, ouvre-nous le portail. On veut l'acheter en stylo. C'est parce que grand-mère est là. Si grand-mère n'était pas là, vous m'auriez envoyé comme n'importe quoi, comme un taxi, comme si j'étais votre égal. Allez, dites-moi d'abord bon après-midi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Allez, ouvre ce portail. Domi, il ne faut pas qu'on lui manque de respect. On doit faire ce qu'il dit. Sinon, il ira le dire à mamie et on aura encore les problèmes. Ben, bon après-midi. Où est passé tonton? Hein? Allez, dites tonton maintenant. Sinon, j'irai dire à grand-mère. Oncle Ben, bon après-midi. S'il te plaît, tu peux aller nous ouvrir le portail? Je vais l'ouvrir et je vais vous suivre. Vous irez acheter le stylo. Je vais vous suivre. Je vous suis. Mais pourquoi est-ce que tu vas toujours nous suivre partout? Venez! Hey, les filles, bonne arrivée. Ah. Chimo Jomi, pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas bien? Faites-moi voir vos résultats. Je vais voir vos résultats, yeah. Ah. Yeah! Chimo Jomi, qu'est-ce que je vois ici? Sixième de la classe? Yeah! Chimo Amanda, dixième? Yeah! 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 Qu'est-ce que cela veut dire? Mamie, nous avons négligé nos études. C'est pourquoi nous n'avons pas obtenu la première place comme nous l'avons d'habitude. Regarde-moi sa bouche. Vous avez reculé parce que vous ne faisiez pas vos devoirs. Hein? Ça veut dire quoi? Ok, j'ai demandé à votre père de cesser de faire vos devoirs. C'est la raison pour laquelle vous devez sortir 6e et 10e de la classe? Hein? Et ceux qui sont sortis 1er, 2e, 3e, 4e, est-ce qu'ils ont 4 têtes? Ils ont 4 têtes? Hein? Mamie, c'est parce que leurs parents font leurs devoirs à leur place. Ferme-la! C'est parce qu'ils font des exposés. On appelait exposés à mon époque. Mais de nos jours, j'ai appris qu'on appelle ça copier-coller. C'est ce qu'ils font. Vous n'étudiez pas vos leçons. Quand je vous demande de prendre les cahiers et d'étudier les mathématiques, vous préférez regarder les dessins animés. Vous refusez de prendre vos livres. Vous préférez regarder les... Qu'est-ce qu'un film? Vous refusez de lire vos livres de mathématiques.
C'est pour ça que vous êtes sorti sixième et dixième. Avec tout l'argent que mon fils dépense pour votre scolarité. Vous allez me rembourser tout ça. Toutes vos scolarités. Je vais les récupérer. Et on va vous envoyer dans une école primaire. Dans une école primaire publique. Plus d'école privée pour vous. Parce que vous ne le méritez pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elles n'ont même aucun remords en plus. Allez, levez-vous, madame. Allez, allez, Ngwa. Stupide. Allez, levez-vous quand je parle. Omolo. Omolo Abasa. Pepe. Big Banata. En fait, vous deux là. Puisque vous ne ressentez aucun remords. Hey, 10 coups de fouet pour chacune de vous. À toi, Ubebu. Vous allez apprendre à utiliser du aura avant de résoudre le calcul. Oya, prends ça. Venez que ça dedans. Vous échouez. Et vous laissez Esther aller prendre vos bulletins. Même si c'est une idiote. Vous la laissez aller. Je ne vais même plus sortir aujourd'hui. Ah, attendez-moi, j'arrive. Vous et moi aujourd'hui. À bien. Avec ma chicotte. Que faites-vous? Vous êtes ancré dans ma chambre, ça m'appelle. C'est à vous que je m'adresse. Mamie, s'il te plaît, pardonne-nous. On ne voulait pas être fouettés. C'est pourquoi nous sommes entrés dans ta chambre pour prendre la chicotte et la cacher. Vous ne voulez pas me faire fouetter. Et c'est pour cette raison que vous êtes entrés dans ma chambre sans ma permission. Afin de cacher la chicotte. Hein? Non, Seigneur a dit que le fouet c'est fait pour les animaux et pas pour les êtres humains. Ton enseignant a dit que le fouet est fait pour les animaux et non pour les humains. Et vous, l'enseignant, et que lorsqu'on utilise le fouet pour les êtres humains, ça veut dire qu'ils se comportent comme des animaux. Vous agissez comme ça. Cette chambre est là. Et vous y êtes entré. Vous avez un délire. Offense, mon Dieu. Donc, pour l'instant, je vais vous donner ma première permission. Plantez le chou. Marie-Marie, s'il te plaît. Encore une. Arrêtez pas. Mamie. Juste un seul doigt. Plantez le chou. Pour qu'elle vous aimez. Plantez le chou. Ou sautez comme un lapin. Ok, plantez le chou. Donc. Enfant désobéissant. Ngwa. Enfant désobéissant. Okoïbo. Et qu'est-ce que tu Dis-moi, Amanda. Choukou Djoumi. Oui, papa. Vous êtes prêt pour les cours? Oui, papa. Oui. Papa. Tiens ça. Ça, c'est pour toi. Et toi aussi. C'est très bien. Je vais... Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? L'argent. De l'argent pour rien. Même pas pour le transport. Pas pour le petit déjeuner. Ni pour le goûter. Même pas pour les coûts de vacances. Tu leur donnes 1000 naira. Non, maman, c'est 500 pour chacune. Agwana, tu leur as donné 1000 naira sous mon nez. Hein? Qu'est-ce qui va se passer quand elles seront à l'université? En fait, tu leur partageras tous tes biens. Hein? Tu vas leur partager tous tes biens. Ah, pour les nus. 1000 naira ou naka. Dis-moi, combien je te donnais à ton époque? Je te pose une question.
Maman, tu sais, l'économie... Réponds à ma question, Paulinus. Réponds-moi. 20 naira. 20 naira. Je te donnais 20 naira. Et tu es devenu un homme responsable. C'est l'économie qui t'a demandé de leur donner une somme avec laquelle je pouvais préparer une mamie de sauce. 1000 naira juste comme ça, pour rien, pour rien. Pourquoi est-ce que tu veux gâter mes petites filles? Je ne te le permettrai pas. Hein? Ok, prenez. Qu'est-ce qui t'arrive? Ou quelque chose ne va pas chez toi? Regarde-moi comment elle fait sa face. Hein? 500 naira, seulement pour rien. N'importe quoi. Dégagez de ma vie. S'il te plaît, peux-je avoir plus d'argent? Ferme cette bouche. Allons-y, les filles. Amaramba, on boit. Ne t'inquiète pas, je vais les accompagner. Mais je vais les accompagner. Vas-tu conduire? À l'école. Allez, levez-vous, on y va. Allez, bébé. Oh, allez, bébé. Maman, tu vas conduire? Nous allons marcher. Conduis comment? Papa! Le climat est parfait. Papa! Nous allons marcher. Nous allons marcher en discutant. Papa, hein, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Ça va. Ne t'inquiète pas. Papa! Allez, allez. On y va, allez. Balam, balam, balam. Allez, on y va. Maman! Allez, laisse ça et sors d'ici. Boss! Ouais. Enfin là. Waouh! Donc, t'es pas rentré au village où se trouve ta place? Tout ce que tu sais faire, c'est rester chez ma fille, visionner, maltraiter mes petites filles. Tu ne connais plus la routine de ton village? Elisabeth! Je sais que tu es folle, mais j'ignorais que ta folie avait atteint ce stade. Donc, on t'a appelé pour que tu viennes me combattre dans la maison de mon fils. Hein, madame? Pas de problème. L'aventure ne fait que commencer. L'aventure ne fait que commencer. Voyons ce qui va se passer. Hein? Si je suis certaine d'une chose, c'est que je suis une personne très pacifique et une femme très moderne. Donc, je ne ferai rien avant que ton fils ne soit de retour. Lorsqu'il sera là, je me chargerai de lui parler afin de ne pas commettre un crime. Regarde-moi, celle-là. Bienvenue. Vas-y, laisse tes affaires au couloir. Tu peux me souhaiter la mets tes affaires au couloir jusqu'à ce que mon fils va rentrer. Ah bah non, pas. Pourquoi est-ce que tu hurles? N'oublie pas ce truc que tu as entre les mains au couloir. Et s'il te plaît, n'ouvre aucune des chambres. Je t'aurais prévenu, n'ouvre aucune chambre là-bas. On verra jusqu'à ce que mon fils rentre. N'importe quoi. Je t'attends et voyons voir comment ça va se passer. Cette maison appartient à mon fils. N'importe quoi. Bendio! Bendy! Bendy! Oui, oui! C'est quoi? Tu es là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu sur la montagne, là-bas dedans. Feu? Ça, c'est ce qu'on appelle la bataille. La bataille des mamies. Là-bas. Oh, ne m'embrouille pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'entends pas ce que je dis, grand-mère. Et la mère de madame sont en train de se battre dedans au moment où je te parle. Hein? Tu es sérieuse? Oui, non. La mère de monsieur et la mère de madame se battent? Elles se battent? Oui. Tu es sérieux? C'est maintenant que tu... Depuis! C'est maintenant que tu viens m'appeler? Mais c'est pourquoi je suis venue t'appeler.
Maman, tu as dépassé les bornes. N'oublie pas que c'est aussi la maison de son fils. Es-tu en train de me dire que de simples paroles des enfants t'ont poussé à agir ainsi? Maman, tu me mets dans l'embarras. Oh, t'appelles ça de l'embarras? À présent, c'est moi qui t'embarrasse. Ok, il n'y a pas de souci. Mais la meilleure option serait que tu entres là-bas et que tu ailles parler à ta belle-mère. Si tu ne mets pas ce chien enragé en sa place, tu seras plus embarrassée avec ce que je vais lui faire. Pour l'amour du ciel, c'est la maison de son fils, maman. Veux-tu me dire que tu as fait tout ce chemin pour causer du trouble dans mon foyer? C'est ça? Maman, s'il te plaît, change. Est-ce que t'as fini? J'ai compris. S'il te plaît, excuse-moi. Excuse acceptée. Merveilleuse princesse, vous voulez regarder les dessins animés? Oui, mamie. Je sais que vous aimez ça, mes amours. Ah. Eh bien, nous allons changer de chaîne. Vous aimez, est-ce que vous aimez Barbie? Alors, mon amour, vas-y, change, mais Barbie. Ok. Ok, mon amour, vas-y, mange, je sais que t'aimes ça. Ok, c'est très bien. Vous ne voulez rien à boire? Esther! Esther! Domi, tu m'as appelée? S'il te plaît, peux-tu m'apporter un verre d'eau? Hé! Un verre de quoi? Hé, Chukujumi! Inaye, papa! Tu souffres maintenant de la lèpre? Pour envoyer ton aîné, un quoi? Dégage d'ici! Allez, toi là, reviens là, va leur prendre un verre d'eau, t'es malade? Va la chercher un verre d'eau! Nawamba! Esta, je t'ai demandé de passer ici, leur donner de l'eau! Dégage! Dégage! Dégage ici! Mais attends, attends, qu'est-ce que tu viens de dire? T'as dit que mes petits-enfants souffraient de la lèpre? Oh non! En fait, c'est toi qui souffres de cette lèpre et n'ose plus jamais insulter mes petits-enfants en ma présence, c'est quoi ça? Qui est-ce que tu te prends? Quelle présence? De quelle présence? Non, présence, Olegé. Qui es-tu? Anoumadoui, honnez-vous, Elisabeth. Qui es-tu? Hein? Laisse-moi te dire, je connais ton genre. Et je sais comment gérer ton genre. Je sais comment gérer ton type. Si je te bats avec ce truc, tu sauras que mon degré de folie est plus élevé que le tien 10 fois. Regarde-moi celle-là. Je pense qu'il est temps de demander à ma fille de te trouver un psychiatre. Ah bah, Doka, Doka. T'as perdu un peu. Wadou, Madou. Pourquoi est-ce que t'es si agressive? Range-toi et laisse mes petites filles. Laisse mes petites filles, ne viens pas les gâter. Mais pourquoi est-ce que je crie? Range-toi et laisse mes petites filles. Oh, je t'en prie, Dieu. Ne viens pas gâter mes petites filles. N'écoutez pas ces bêtises. Arrête de corrompre mes petites filles. Tant que je serai en vie, tu ne vas pas gâter mes petites filles. Elles sont mes petites filles, je fais d'elles ce que je veux et c'est toi qui essayes de les corrompre. Tu n'as pas honte de ce que tu fais. Adjibi de Tchon. Mais Tchon. Toi, tu es malade. Tu l'es encore ça, plus. Je n'arrive pas et tu voir. Es folle. Oh mon c'est Dieu. Ce que tu es. Qu'est-ce qui se passe ici? Chukujumi. Toi, t'es vraiment malade. Katongwa. Tu devrais te trouver Katongwa. Un psychiatre. Katongwa. Elisabeth, va chez toi. Mais pourquoi t'es Angalumba. Si agressive? Acho. Ma chère, tu devrais aller rencontrer un psy. Dieu merci, ma mère s'en va. Elle s'en va pour la réunion du mois d'août. Mes enfants auront la paix une bonne fois pour toutes. Tu sais quoi? Je sais que ma mère essayait de discipliner mes gosses, oui, mais cette expérience a été horrible pour elle. Elle part? Oui.
Juste comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, comme je te l'ai dit, elle s'en va pour la réunion du mois d'août. J'espère juste que c'est pour la réunion du mois d'août. Laisse-moi te choquer maintenant. La mère de ma femme est arrivée hier pour combattre ma mère. C'est pas vrai. Comme je te l'ai dit, mec. En fait, mec, à vue d'œil, c'est évident qu'elle a été invitée par les filles. Et comme tu peux le voir, la mec, c'est vraiment horrible. Paul, à quoi est-ce que tu t'attendais? Tu as failli à tes responsabilités. Tu as été incapable de contrôler tes enfants. Tu as refusé d'être la voix et le père qui est responsable. Donc, elles ont tourné leur attention vers leur grand-mère maternelle. Ne te plains pas, mec. Fred, tu ne comprends pas, mec. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Non, Fred, tu ne comprends pas. Que veux-tu que je fasse, mec? Que voulais-tu que je fasse, mec? Tu aurais dû gérer ta maison, mec. Je l'ai fait, mec. Emmène-moi hors d'ici. Salut! Mais magnifique, princesse! Alors toi, qu'est-ce que tu fais là? Viens t'asseoir ici, viens! Comment allez-vous? Bien! Où est-ce qu'elle est? Elle arrive! Ok. Vous avez des jolies tresses, c'est très bien. Vous êtes tellement coquette, mes petites princesses! Qu'est-ce que vous m'avez manqué! Mais pourquoi est-ce qu'elle tarde à venir? Je ne sais pas! Vous étiez en train de regarder les dessins, n'est-ce pas? Merci, mamie. J'espère que vous avez déjà mangé quelque chose. Vous êtes mes princesses d'amour. Et je dois vous donner tout ce dont vous avez besoin. Madame, vous m'avez appelée. Quel est ton rôle dans cette maison? Madame, je suis ici pour travailler. Et cela exclut-il le fait que tu dois t'occuper de mes petites filles? Madame, je vous le jure, ce n'est pas ma décision. C'est Ogamama qui m'a demandé de ne toucher à rien dans cette maison. C'est qui? Est-ce que tu as perdu la tête? Est-ce que tu as perdu la tête? Viens là, viens là, viens là, place-toi là. Maintenant, arrête bien tes oreilles. La prochaine fois que tu ne vas pas t'occuper de mes petites filles, je vais te tuer dans cette c'est maison. Compris. Tu m'as compris? T'as été employé dans cette maison pour prendre soin de mes petites filles, est-ce que c'est clair? Et la prochaine fois que tu vas t'entêter, je vais demander à ma fille de te foutre hors de cette maison, est-ce que c'est clair? Tout ce que tu as à faire, c'est d'exécuter mes ordres, avant d'exécuter les ordres de qui que ce soit dans cette maison, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant, arrête tes oreilles et danse. Danse, vas-y, danse. Ouais, vas-y, danse. Ouais, c'est ça, vas-y, danse, continue, vas-y, ouais. Les fillettes... Mes princesses d'amour, allez, venez là. Ne vous en faites pas pour Esther. D'accord? Est-ce que vous avez aimé le boulot? Oui, mamie. Tu as été géniale. Merci, ma princesse. Maman, bonjour. Mon garçon. Maman. Hey, comment tu vas? Je vais bien, maman. D'accord, mon fils. Oui. C'est le départ? Oui, maman. Maman, écoute, s'il te plaît, j'aimerais que tu maintiennes la paix à la maison, d'accord? Ne te dispute pas avec belle-maman aujourd'hui, hein? S'il te plaît, pitié, que je maintienne maman. La paix? S'il te plaît, d'accord? S'il te plaît. Que je maintienne la paix dans cette maison? Oui, je sais, maman. Ça marche, ok? D'accord, j'y vais. Maman. Mon fils. Ah, mon beau-fils, Dieu merci, t'es là. Bonjour. Je me suis réveillée tôt ce matin. J'ai réchauffé un peu de nourriture à la cuisine. J'ai servi aux enfants avant qu'elles ne partent à l'école. Et j'ai laissé deux morceaux de viande à la cuisine. Deux morceaux de viande et puis je suis allée chercher un morceau de pain pour moi-même. Et quand je suis revenue, ta jeune mère, que voici, avait déjà pris mon repas. Est-ce que c'est correct? Maman, mais pourquoi? Hein? Tu me demandes si c'est correct? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Non, Paulinus, pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Comment j'étais censée savoir que c'est elle qui a chauffé la nourriture?
Réponds, comment j'étais censée savoir que c'est elle qui a chauffé la nourriture? Elisabeth, quand est-ce que tu as commencé à chauffer la nourriture dans cette maison? Elisabeth, entres-tu souvent dans cette cuisine? Depuis que tu as mis tes pieds dans cette maison, est-ce que tu es déjà entrée dans cette cuisine? J'ai cru que c'est Esther qui avait chauffé la nourriture. Donc, je suis entrée. Maintenant, tu es là, jacassée à cause du petit plat. Est-ce que tu dois manger tout ce que tu fais? Ferme-la! C'était ton repas, c'est toi qui l'as préparé. T'as vraiment aucune place. Je suis une personne sans place. Depuis quand tu entres dans cette cuisine? T'es vraiment sans place. Bia, tcha, wadjou. On ne touche pas ce qu'on n'a pas laissé. Oh, mon Dieu. Bia, adjou, bou, bia. Dois-tu manger tout ce que tu veux? Ferme-la. Tcha, oh, mon Dieu. Oh, maman. Attends-moi, Jacques. Maman. Attends, s'il te plaît, arrête. Belle maman. Il y en a foutre ici, mais regardez-la. Vous trouvez ça normal que je réchauffe la nourriture pour mes petites filles et moi et que quelqu'un vienne la prendre? C'est pas normal, mais c'est pas juste. On ne touche pas quelque chose. Allez, mais cette femme est une bête. Je te demande de le répéter pour que je finisse avec toi. Maman, lâche-moi. Tu veux? Maman, calme-toi. Maman, stop. Arrête-toi. Lâche-moi. Mon Dieu, je ne sais pas ce qui se passe. Tout va de travers. Tout va de travers, je suis confus, je ne sais pas quoi faire, merde, putain de merde, qu'est-ce qui ne va même pas dans cette maison? Si ce n'était pas la grâce de Dieu, si ce n'était pas Dieu, je me serais fait virer aujourd'hui. Oui, j'étais en retard au travail. Non mais sérieux! Papa, ça fait déjà 3 minutes que tu parles et je ne comprends rien de ce que tu dis. Moi aussi, papa. Alors, que s'est-il vraiment passé? Bien, dis-moi Amanda. Shimojo Mimi, au fait, quand vous êtes partie au cours cet après-midi, vos grandes-mères ont entamé ici à la maison une bagarre. Oui, elles se sont frappées à mort. C'était terrible. Et à cause de ça, votre mère n'est pas partie au travail. Parce qu'elle devait rester les surveiller comme des gamins. Shimo Amanda, Shimojo Mimi, papa? Vous savez, vous êtes la cause de toutes ces bagarres entre vos deux grandes-mères. Et vous le savez. Vous aimez ce théâtre? Non, non, papa. Je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, papa. Bien. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mes anges. Dormez bien, ok? Ok. Priez avant de dormir, ok? Super. Oui, comment tu vas? Quoi? Écoute-moi, je vais... Ok, laisse-moi appeler un taxi et le médecin, ok? Je vous retrouve à l'hôpital. D'accord, j'arrive tout de suite. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas, je vais là-dehors chercher des herbes que j'utiliserai pour te traiter. Et tu iras très, très bien. Tu vas recommencer à courir, ok? Oh! Dis-moi, Amanda. Viens, reste là. J'arrive, hein? Ne t'en fais pas, bientôt tu vas guérir. J'arrive, ok? Ne bouge pas de là. J'arrive. Moi. Occupe-toi de ta sœur. J'arrive. Mon cœur, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va ou est-ce que tu as mal? La mère de madame. Attendez. Madame a dit que jamais Domi à l'hôpital. Le chauffeur de taxi qu'elle a envoyé est arrivé. Dégage avec ces sottises. Qu'est-ce que tu racontes juste? Ma puce, allons à l'hôpital. Je vais t'y amener. Viens. Hé,
Allez, va me chercher, mes babouches. Dépêche-toi. Mon amour, s'il te plaît, tu m'ouvres la porte? Oh, ma chérie, ça va aller, t'en fais pas. D'accord, ça va aller. Dépêche-toi, mes babouches. Ma puce, tu restes ici, tu restes avec ton signe. Hein? On se verra à mon retour, d'accord? Je ne mettrai pas long. À tout à l'heure. Bye bye. Comment tu vas? Ça va, mamie. Donc, c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Elisa a amené ma petite fille à l'hôpital sans mon consentement. Hein? Quand Benji me l'a dit, j'ai cru qu'il me mentait. Cette femme voudrait que ma petite fille me déteste pour rien. Je ne resterai pas en vie. Et voir ma petite fille suivre ses pas. Cette femme manque de savoir vivre et des formations domestiques. Pas de problème. Je vais l'observer. Elle ne réussira pas à vous faire me détester. Pas dans cette vie. Viens qu'on aille préparer ses herbes pour ta sœur. Avec cette herbe, elle va vite se rétablir et elle sera très forte. J'espère que tu connais l'hôpital dans lequel on l'a amenée. Oui, mamie. Viens, nous irons tout à l'heure. Oh, viens là. Sois forte, Onogo. Manechama, lève-toi, on va préparer ses herbes pour ta sœur. Ça va l'aider. Elle sera forte. Cela l'aidera. Allez, ma puce, pourquoi est-ce que tu te mets à genoux? Viens là. Viens t'asseoir à côté de mamie. Allez, dis-moi pourquoi te mets-tu à genoux, mon amour. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère, s'il te plaît, pour moi et Amanda, pardonne-lui. Nous n'aimons pas quand vous vous battez. Nous n'aimons pas ça. Et cette situation brise vraiment le cœur de nos parents. Si ce n'était pas par Dieu, mon papa aurait été viré de son travail en ce moment.
Vraiment? Grand-mère, s'il te plaît! C'est pour ça que tu t'es mise à genoux pour me parler? Oui, grand-mère! Ok. Eh bien, si c'est pour ta sœur et pour toi, je vais le faire. Merci, grand-mère. La prochaine fois, t'agenouilles pas pour parler avec ta grand-mère, d'accord? Okay, si tu veux grand-mère. Me parler, tu t'assois à côté de moi. Et tu me parles, mon amour. Je vais t'écouter, d'accord? D'accord, grand-mère. Ça va, mon amour, ça va. C'est bon. Grand-mère, est-ce que je peux aller avec toi? J'aurais aimé, mais je ne peux pas me permettre de rester encore pour longtemps. Je sais que vous ne comprenez pas pourquoi je dois partir, mais je dois le faire. Mais vous devez rester des gentilles filles, ok? Ok? Ok. Mais mamie... Reste une mamie, gentille fille, ok? Promets-nous, s'il te plaît, que l'année prochaine, tu vas encore revenir nous voir ici à la maison. Mamie, tu vas vraiment nous manquer. S'il te plaît, oublie la peine que nous t'avons causée et nous te remercions pour tout ce que tu nous as appris. Oh. Vous voulez me faire pleurer. Mais je ne le ferai pas. Mamie est une femme très forte. Juste rester des gentilles filles comme je vous l'ai appris. Et étudiez toujours vos leçons, ok? Okay, et vous mamie. Savez quoi? Je vous aime tellement fort. Beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. Et je souhaite un bon voyage, belle maman. Merci beaucoup, ma belle fille. Je dois partir. Mon fils, je peux partir? Oui, maman, c'est maman, bien. Maman, on t'aime aussi. Laissez mamie partir à la réunion du mois d'août. Souviens-toi de venir nous voir. On aime moi. On se voit okay, la prochaine. Ok, d'accord. Fais un bon voyage. Au revoir, au revoir, mamie. Ah, oui, oui. D'accord, au revoir. Je le ferai. Bye. Bye. N'oubliez pas de laver vos tenues de classe. Ok. Je suis allée chercher la voiture. Vous pouvez le croire? Et cet homme m'a demandé de payer une énorme somme pour ça. Il a même eu le culot de le dire à votre grand-mère. Et je lui ai demandé de ne pas me parler de la sorte. Si ce n'était pas les gens autour, oui, les gens qui nous entouraient, je lui aurais donné une très bonne leçon. Comment peut-il me demander de donner plus d'argent? Ne sait-il pas qui je suis? Mamie, on ne parle pas avec la bouche pleine. Exactement, c'est le week-end. Tu étais censée ranger ta chambre, prendre ton bain avant de manger. Je veux dire, c'est très tôt. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.